Salut à toutes les amies. Moi, c'est Jeroux. Ravi de faire votre rencontre, d'autant que vous la mienne. Entre nous. Enfin, peut-être ne s'est-on encore jamais aperçu. Remarque, peu importe. Je place en cette vidéo tutoriel l'espoir de partager la passion d'un geste et plus que de coutume, créer un futur lien relationnel solide entre vous et moi. Donc pour commencer, cette vidéo que vous observez à présent ne dispute pour aucun but de former quelconque injonction, mais bel et bien de pouvoir vous transmettre ce qui anime l'être au plus profond de la lutte antique. Il va donc s'agir de vous apprendre à exercer le claquement singulier d'une main. Des questions? Bien. Je vais commencer par vous expliquer de quoi je parle. Ensuite, quoi? Vous assisterez aux travaux pratiques sous moult démonstrations. Je rappelle que tout n'est question que de challenge et de persévérance. Donc, claquer des mains, comme pour applaudir lors des matchs de moto ou pour des courses de bagnoles super rapides, tout le monde sait faire. Moi, je vais vous montrer l'astuce pour dépasser le cortège ontologique. Ainsi, dès à présent, nous allons voir comment faire clap-clap d'une seule main. Rien de moins fastoche. Tout consiste en la cadence du blocage articulaire concentré en vue du relâchement des extrémités agiles, accompagné d'un mouvement balancier dynamique de sorte à produire une vive impulsion de la forme. Tout cela viendra relier les éléments d'une force réactive qui ne cessera d'émerveiller vos proches et vous-même. Je m'en vais vous montrer ça. Attention, c'est surprenant. Alors, comment ai-je pu procéder selon vous? Avant-bras rigide, poignet bloqué, doigts furtivement relâchés, de sorte à reproduire la puissance d'un terrible fouet, qu'une impulsion directe en viendra réguler le geste. Comme ça, voilà. Deuxième démonstration. Ça vous épate? Tout de suite, un plan détaillé. Donc là, c'est un plan détaillé. Je rappelle, poignet bloqué, coude mouvementé, doigt relâché pour claquer. Revoyons ça ensemble. Première. Deuxième. Bien entendu, il est possible de procéder par l'autre main. Même principe, même système, même constat. Et par cette multiplication d'effets, une mutualisation expressive se dévoile. Admirez la fougue procurée. Stylé, non? On pourrait faire ça toute une vie. Je récapitule tout l'ensemble. Avant-bras rigide, coude balancier, poignet bloqué, doigt relâché, ainsi. Et on fouette, comme ça. Et on recommence. Compris? J'espère. Pour les plus anxieux, j'aimerais rassurer vous. Tout vient à un point qui sait l'attendre. Ne vous en faites pas. À force de persévération, on parvient. De cette façon. J'ai votre confiance. Bon courage. Je laisse les studios. Une fois. Je vous salue. Deux fois. Et maintenant, c'est à vous. Je... Tout de même, j'en sens qu'ils paniquent encore. Pas de panique. Je vais terminer cette vidéo sur la promesse d'une prochaine, où les preuves de plusieurs élèves ayant réussi seront montrées à l'écran. Si possibilité, bien sûr. Enfin, je ne promets rien. Allez, à plus !